Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay. Comme je vous les avais dit, dans la section communication, l'un de mes amis a développé un nouveau jeu de train. Le nom est Extreme Train Simulator. Alors dans cette vidéo nous allons jouer pour la première fois et voir l'aperçu du jeu. Je vous mettrai le lien en description pour pouvoir le télécharger. Gardez à l'esprit que ce jeu n'est pas la version finale. Il y aura des mises à jour. Les graphismes sont pas du haut niveau du réalisme, mais c'est quand même cool. Les animations aussi sont bien réalisées, la modélisation c'est bien. Le problème est que, les modélisations sont très limitées. Si vous avez d'autres suggestions à faire sur ces jeux, n'hésitez pas à le faire savoir sur le commentaire. Dans ce cas on se dit à la prochaine, je vous laisse la vidéo, en profitez bien. Byte till tunnelbana mot Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta samt till pendeltåg. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Byte till tunnelbana mot Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta. Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta. Samt till pendeltåg. T-centralen. Byte till tunnelbana mot Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta samt till pendeltåg. Byte till tunnelbana mot Kungsträdgården,
Akalla och Hjulsta samt till pendeltåg. Byte till tunnelbana mot Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta. Byte till tunnelbana mot Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta samt till pendel. Byte till tunnelbana mot Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.
vidare till tunnelbana mot Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta samt till pendeltåg.